Quand je pense qu'il y a des mecs qui font ça en vrai et que moi je suis même pas foutu de le faire en virtuel, ou en tout cas j'ai du mal. Alors ça aujourd'hui avec Grind Session, je suis pas très skater donc je sais pas, Magic Flying Skateboard. Je me relèverai même pas. C'est drôle. Ça s'appelle Grind Session, comme vous voulez. C'est un jeu de skate évidemment. Il y en a plein en ce moment, il y a Tony Hawk qui va sortir, Tony Hawk Skateboarding 2. Alors j'ai pas vu encore Tony Hawk donc je pourrais pas vous dire si Grind Session est mieux ou moins bien, j'en sais rien. En tout cas, Grind Session est vraiment très très bien. On va voir ça tout de suite. Allez, j'appuie, on va se mettre en français, en anglais, non, on va le mettre en français. Comme ça on nous expliquera tout au fur et à mesure. En tout cas, je trouve qu'il est ce jeu vraiment très très abordable et très fast. Tiens, on va commencer par l'entraînement, comme ça on verra un peu ce que ça donne, vous allez voir tout de suite. Regardez les champions, je pense que c'est des vrais, en tout cas les photos c'est des vrais gars. Ils ont des caractéristiques différentes, vous voyez les caractéristiques en bas sur... Ah j'aime bien lui, Pigpen, en plus il est à peu près équilibré. Donc on va prendre Pigpen. C'est un vrai mec, hein, on dirait. On peut choisir des planches, regardez, il y a des planches différentes. Il n'y en a pas beaucoup au début, mais évidemment, au fur et à mesure, vous ouvrirez de nouveaux personnages, de nouvelles planches et tout. Et on va commencer. Et puis surtout des nouveaux niveaux, parce qu'il y a des endroits pour aller faire du skate qui sont assez sympas. Là, c'est une espèce de base aérienne avec un avion au-dessus. Et il y a de quoi s'entraîner. Donc au début, regardez, c'est tout simple. L'entraînement est très court, mais au moins, ça vous donne à peu près les bases. On vous explique par exemple... Ah, j'avais la manette qui n'était pas complètement branchée, qu'il faut appuyer sur L2 pour arrêter le personnage et pour regarder autour de soi. Alors vous voyez l'endroit, le petit avion est là-haut. Avec de l'élan, on peut même arriver à grimper dessus si on est très très fort, ce qui n'est pas mon cas. Et ça permet aussi de voir les lignes de... Regardez sur le côté, là, on en voit une. Voilà les lignes en bleu qui clignotent. C'est des directions qu'on peut prendre. Voilà, et on me demande dès le début de faire quelques petits trucs. Eh ben, on va y aller, donc on m'explique un peu les touches dès le début. Hop. Par exemple, je maintiens le carré et je fais des trucs. C'est vraiment beaucoup plus maniable et beaucoup plus simple que Tony Hawk. En tout cas, Tony Hawk, c'était un peu plus professionnel, je trouve. Mais un peu dur au début. On va voir ce que ça donnera avec Tony Hawk 2 dès qu'on l'aura. On fera un level 1 et là, je vous dirai vraiment s'il faut choisir entre les deux, lequel choisir. Pour le moment, ce que je trouve super dans Grind Session, c'est que c'est vraiment très, très, très abordable. On s'y fait très, très vite. Là, on m'explique qu'il faut que je fasse du grind. Ça, c'est des trucs qu'on fait sur les petits trottoirs, les rebords, ou, comme je viens de le faire, sur des rails. Et là, je vais essayer de passer d'un rail à l'autre. Hop, hop, je ressaute et je regrind. Je sais plus comment ils disent. Je maîtrise très, très mal le vocabulaire des skaters. Là, il va falloir que je fasse quelques combos. Donc, on va aller se mettre sur une petite rampe. Et puis on va essayer d'enchaîner 2-3 mouvements. Hop. Et hop. Voilà, pas mal. Et ben c'est bon, j'ai passé, j'ai fait le nombre de points qu'on me demandait. Et là, il faut que je passe à travers le demi-ton rouge. C'est l'espèce de looping qu'on voit sur le côté là. Il est sur ma gauche. Alors vous verrez que la caméra, à mon goût, met un peu de temps à se recadrer parfois. Donc là, je vais faire demi-tour. On va essayer de passer à travers ce truc. Hop. Ah non, je suis pas passé à travers, bêtement. Il faudrait un peu plus d'élan. Là, j'ai rebondi comme si je voulais faire une figure. Alors que moi, je veux juste me traverser ce truc. Ah voilà, c'était ça. J'avais pas assez d'élan, vous avez vu, je suis passé en dessous. Il aurait fallu que j'aie un peu plus d'élan. Donc on va s'appuyer sur la rampe juste en face. Voilà, et là normalement je devrais avoir assez d'élan pour traverser. Non. Reviens ici tout de suite. Voilà, saute, tu prends ton élan mon garçon. Et tu passes à travers ce truc. Non. Oh, le boulet. Je vais y arriver, hein. Normalement c'est tout simple. Hop. Voilà. Ça marche pas à tous les coups. Et maintenant, il faut que je ramasse les bidons qui sont un peu partout sur le parcours. Vous en avez peut-être aperçu quelques-uns. Ah, juste, c'est de l'autre côté. En fait, sur les parcours, vous aurez des trucs, des poubelles à renverser, des bidons, des choses comme ça. Et même des pigeons. À un moment, il faut virer les pigeons. Voilà, là, j'ai eu 4 des bidons. Et regardez où ils ont planqué le dernier. Il est là-haut, sur l'espèce d'hélice. Donc celui-là, il n'est pas facile à choper. Il faut vraiment avoir une bonne trajectoire. Il faut vraiment suivre la flèche qu'on va voir juste en face. Regardez. Alors, je vais prendre 2 élans. Et on va essayer. Il faut prendre cette flèche-là pile poil. Voilà, je suis pas mal, mais un peu court. Donc je vais le refaire. C'est vraiment le truc le plus dur à faire, je trouve, dans cette petite phase d'entraînement. C'est de choper ce dernier bidon qui est vraiment bien, bien accroché en l'air. Et c'est pas facile. Voilà, là je suis pas mal. Ah, je suis pas passé loin. En plus, je me réceptionne assez mal. Alors vous voyez, il se fait pas trop mal en général. Ça, c'est plutôt sympa. Pas trop à se soucier des réceptions. Vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Je pense que les puristes râleront un petit peu.
comprends peut-être qu'un truc comme Tony Hawk, ah, je suis pas mal. Ouais, non, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Pourtant, j'étais pas loin. Ouais, des trucs comme Tony Hawk, c'est peut-être plus difficile. En tout cas, là, je trouve que c'est plus jouable immédiatement. Et on peut quand même faire plein de figures. Donc, c'est pas ah si mal que ça. À chaque fois, je passe à 1 mm et ça passe pas. Bon, allez, un peu de concentration. Je retente mon saut. On va vraiment prendre un maximum d'élan. Ce serait pas mal du tout. Voilà. Allez, fonce mon garçon. Voilà, je suis pas très bien pour une trajectoire là. Bon, d'accord, je vais repartir d'en face. Peut-être qu'en faisant deux rampes, ça ira un peu mieux. Tac, vraiment, c'est le truc le plus délicat et le plus difficile à réussir. Ah, je suis pas loin, mais je suis un peu court à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est essayer de prendre plus d'élan encore. Voilà, on va sauter plus haut. Voilà. On va le faire en deux coups comme au billard. J'espère vraiment y arriver. Des fois, j'y arrive du premier coup, des fois, pas du tout comme aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je continue l'entraînement ou pas? Ouais, allez, j'essaie une dernière fois. En espérant que j'aurai de la chance. Et que j'aurai pas trop la honte. Voilà, c'est pas mal. Oh non, non, pas assez d'élan. Bon, allez, un dernier coup. C'est terrible. Tout à l'heure, j'y suis arrivé du premier coup, évidemment. Et dès que je suis devant vous, ça marche plus. On appelle ça l'effet Bonaldi ou Patrice Carmouze. Je suis victime du même truc. C'est absolument horrible. Ouais. Oh là là, je l'ai eu. Non, bon, ouais, je l'ai, franchement, vous avez vu, on passera au ralenti si vous voulez, mais franchement, je l'avais là. Bon, allez, on va sortir de là, on va quitter ce niveau, on va laisser tomber l'entraînement, on va faire un truc qui s'appelle endurance, ce qui est pas mal aussi, parce que ça vous permet, mine de rien, d'apprendre les tricks qu'on peut faire. Les tricks en termes de skater, c'est les acrobaties, on va dire. On fera le tournoi, on finira par le tournoi. Skate libre, ça permet d'aller dans les endroits, dans les niveaux que vous avez déjà ouverts. Il y a des endroits assez différents. On va peut-être changer, tiens, on va prendre une gusesse. Carabette Birdside, ils ont vraiment des noms pas possibles. Alors vous voyez, elle a pas les mêmes planches que l'autre, c'est plus soft, l'autre c'est un peu une planche d'adepte du satanisme. Là non en fait. Alors regardez, voilà, on va commencer par ce niveau là. Il y a des figures qui vont s'afficher à l'écran, on va me dire qu'il faut appuyer haut, bas, etc. Et il va falloir que je les réalise, j'ai un temps limité pour en réaliser un maximum, donc on va essayer d'aller le plus loin possible. Et puis ensuite, on ira faire un tournoi un petit peu où on est un peu plus libre. On y va? Bah oui, on y va. Vous avez vu, tout était en français, c'est pas mal. Alors, première figure, c'est quoi? Le quai flip, c'est-à-dire carré plus manette vers la gauche au moment où on est en l'air, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc allons-y, faisons ça. Hop, carré plus manette vers la gauche. Et il faudrait que je me réceptionne pas mal. Voilà, ça va, je m'en suis plutôt bien sorti. Je vais essayer de trouver un endroit où il y a une rampe. Voilà, là, il y a deux rampes face à face. Comme ça, je pourrais faire mes figures. Ça devrait aller un peu plus facilement. Voilà, hop, là, c'est carré plus vers la droite. Vu comme c'est beau, impressionnant quand même. Ah tiens, il y a comme un mur là. Bon, il se fait jamais trop mal, ça va. Oh 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 oh. C'est pas terrible, faudrait que ma réception soit un peu meilleure. Voilà, carré plus droite. Là, je suis pas mal, sauf la réception. Oh, ça va, il m'a pas trop compté. Ils sont plutôt sympas avec moi. Là, petite diagonale. Voilà, une autre diagonale, mais de l'autre côté. Ouf. J'ai un peu raté celui-là. J'aurais peut-être dû trouver un endroit plus cool. Vous avez vu que les caméras changent de place très très vite. Donc il faut, pour vraiment bien s'en sortir, il faut vraiment bien connaître les niveaux en fait. C'est encore la meilleure façon de jouer. Il faut vraiment apprendre à connaître les niveaux. Parce que souvent, si on essaye de réagir rapidement, si on ne connaît pas le niveau, on a vraiment du mal. Donc ça c'est pas trop mal, voilà. Méthode, on va faire méthode maintenant. Donc vous voyez là, à chaque fois j'apprends une nouvelle figure. Évidemment ça va être de plus en plus compliqué et de moins en moins facile à faire. Mais ça vous permet de vous entraîner et d'apprendre des trucs. Ah, t'es arrivé? Ah, j'arrive pas à faire celui-là. Ah, ça y est, c'est fini, voilà. J'ai fait 7 tricks sur 10. Ah, j'étais pas loin. Et les autres alors? Bah, je vais m'entraîner encore, on le refera. On va passer au tournoi plutôt. Comme ça, on va essayer d'ouvrir des niveaux. Vous allez voir que les niveaux sont assez originaux. C'est des vrais petits skateparks qu'on peut vraiment rider, je sais pas comment ils disent, un peu partout, sur les trottoirs, sur les barrières. Vraiment, il y a des tas de trucs à faire. On se sent très libre, c'est assez génial parce qu'on peut vraiment faire des figures à peu près partout. Non, je voulais pas faire ça, moi je voulais pas recommencer. Je voulais ressortir, voilà, quitter niveau et on va faire un tournoi. Donc ouais, par rapport à d'autres jeux de skate où on peut pas faire l'andouille partout, là vraiment on a cette sensation de liberté, on a l'impression qu'on peut vraiment aller partout et ça c'est bien. Qu'est-ce que je fous avec mes menus? Je suis encore revenu là-dessus. Oh, je veux juste quitter niveau, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. J'espère que je vais pouvoir sortir de là. On va pas être obligé de faire reset quand même pour ressortir de ce menu. Alors, hop, voilà. Quitter niveau pourtant, hein. On est clair sur le truc. Voilà, je veux sortir de ce niveau. J'ai peut-être appuyé un peu vite pendant que je parlais en fait. C'est mon défaut. Je suis très bavard et je fais pas toujours attention à ce que je fais. Non, alors, Pierre, enlève-moi ma tête. Est-ce qu'il y a un menu où je pourrais sortir de là?
Apparemment, non. Niveau entraînement, non, non, non. Et bien, comment je fais pour sortir? Je n'arrive pas à trouver. Ah voilà, c'est vers le bas. Ça y est, ah, ouf, enfin. Merci Franck, c'est Franck qui m'a fait signe. Allez, on va faire un petit tournoi. Tiens, oui, vous avez vu qu'il y avait des skateurs qui étaient déjà pré-enregistrés, mais on peut un peu customiser son skater, choisir son visage déjà, par exemple. Disons, non, on va prendre une fille. On dirait Ally McBeal, elle. Je vais prendre Ally McBeal, on va l'appeler Ally, s'écrit pas comme ça. Ça arrivera plus vite que Ally avec deux Ally grecques. Et puis c'est très joli Ally comme prénom. Et regardez, on peut choisir les figures qu'elle va effectuer, donc il y a une liste assez conséquente. Et on peut lui choisir, voilà, quelques tricks. Bon là je prends un peu hasard, mais vous pouvez prendre vos trucs préférés, les trucs les plus spectaculaires évidemment. Et puis votre ah oui, ce qui est pas mal, c'est votre skater progresse. Ah, elle est très bien cette planche, elle est très classe. Votre skater progresse au fur et à mesure, vous allez apprendre de nouveaux tricks qui viennent s'ajouter à la liste. Et il y en a déjà beaucoup. On va essayer de voir tout à l'heure la liste. Alors regardez, voilà, je peux commencer tout de suite. Voyez les niveaux qui sont en bas. Je peux pas tout de suite aller au niveau 2 et 3. Donc on va y aller. On va accumuler des points et ensuite ça me permettra d'ouvrir le niveau supérieur. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut accumuler des points de différentes façons. On peut par exemple shooter les poubelles, récupérer les autoradios, ce genre de choses, ou alors faire des figures. Il y a vraiment plein de possibilités d'action dans ce jeu, donc c'est bien d'être libre, je trouve, et de pouvoir accumuler les points comme on veut. Regardez comme elle est belle. C'est un peu Madonna aussi. Quelque chose de Madonna. Allez, on va y aller. Alors, un peu de... Hop, hop. Vous voyez, c'est pas très très dur. Même moi qui suis pourtant vraiment pas doué, je m'en sors plutôt pas mal. Encore une fois, c'est beaucoup mieux quand vous connaissez bien le niveau parce que vous savez où aller. Et la caméra est souvent, je trouve, un peu en retard. En tout cas, au niveau des directions. Hop. Donc, ça aide quand même pas mal de bien connaître le niveau et de savoir où se trouvent les obstacles, à quel niveau les prendre, etc. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ouah, dommage, la réception, c'était pas terrible. Bon, ils peuvent pas se tuer, apparemment. Ils ont pas de... Hop. Ils ont pas de... Comment dire? Ils ont pas de point de vie. Contrairement à d'autres jeux de skate où le mec peut se rétamer au bout d'un moment, ceux-là, ils sont en téflon, ils risquent absolument rien. Voilà, ça j'aime bien faire ça, les rails slides. C'est joli comme tout. Allez, encore un tour pour la route. Peut-être plutôt faire de la rampe, j'essaie de trouver un endroit où une rampe sympa, qui me permettrait de faire différents trucs. Alors évidemment, on peut les enchaîner, c'est le but, c'est d'essayer d'enchaîner les différents trucs où on touche la planche, où on lâche la planche. On peut essayer d'en faire deux à la fois. Et ça permet d'accumuler de plus en plus de points. Oh, c'est joli ça. Pas mal. Hop. Je suis très fier de ce que j'arrive à faire là. Encore une fois, c'est pas très difficile. À chaque fois, c'est toujours le même principe. Il suffit de sauter et de donner une direction. Voilà. Regardez, j'avais réussi à grimper là-haut. Ah, c'est pas toujours facile. Voilà. Donc, seul petit problème, je trouve, la caméra met parfois du temps à se recadrer face à vous. Et ce qui fait qu'on voit pas toujours ce qu'il y a devant le skater. Donc encore une fois, la meilleure solution pour ça... Ah, ça y est, c'est fini. Eh ben voilà, j'ai réussi à ouvrir un niveau ou pas? Ouais. Ah, j'ai oublié de récupérer les stéréos. Mission 2. Voilà, j'ai débloqué la deuxième mission. Et regardez, voilà, j'ai le choix entre ces nouveaux, ces nouvelles petites figures que je vais pouvoir faire. On va prendre celle-là. Casper, on essaiera de la faire tout à l'heure. Voilà, et on va passer au niveau suivant. Donc chaque fois, vous ouvrez des nouveaux niveaux. C'est assez urbain, c'est assez rigolo. Et vraiment, chaque fois, on peut aller partout et faire l'andouille partout. Ça, c'est très très agréable. Voilà. On va aller là, regardez, SF Mission. SF, c'est pas science-fiction, c'est San Francisco. Et donc vous allez voir que c'est les rues de San Francisco, ça monte, ça descend. Et là, c'est les petites poubelles qu'il faut shooter. Tout à l'heure, c'était des autoradios. Des ghetto blasters, là, je sais pas comment ça s'appelle, le truc qu'on se met sur l'épaule qui fait. Un gros truc. Voilà, là, c'est des poubelles. Je crois que le niveau d'après, c'est des pigeons. Vous pouvez frier des pigeons. Je pense que la SPA sera pas trop d'accord, mais bon. C'est des pigeons virtuels, c'est pas très grave tout ça. Bon, alors. Franck me dit Sophie Marceau, elle défend les animaux. Sophie Marceau, tu confonds pas avec Brigitte Bardot? Non, non, Sophie Marceau, elle défend les pigeons. Ah, oui, c'est vrai. Elle est très romantique cette fille, hein, depuis la boum. Bon voilà, là, oh là là, je vais accumuler plein de points. J'aurais peut-être pu rester, ouais, j'aurais pu rester entre ces deux trucs, mais ce serait peut-être un peu ennuyé. Donc on va faire le tour. Regardez, on peut vraiment aller un peu partout, ça c'est sympa. Peut-être essayer de rentrer dans le métro, j'ai vu qu'il y avait une bouche de métro. Ah oui, par exemple, là, la bouche de métro à ma droite, faut vraiment le savoir pour pouvoir y aller. Autrement, c'est difficile de... Disons qu'on peut pas improviser dans les trajectoires. C'est un peu le reproche que je ferais. C'est qu'il n'est pas question d'improviser. On a beaucoup de mal à... Comment dire, à réagir au dernier moment, quoi. Parce que la caméra se place pas toujours au bon moment, au bon endroit. Ah, j'aurais bien aimé faire un truc. Voilà, j'ai pété le guichet de la RATP. Ne faites pas ça dans la vie, surtout.
Surtout, n'embêtez pas les pauvres gars de la RATP, ils sont pas beaucoup payés. Bon, des fois, c'est vrai, ils font grève, des fois ils nous énervent, mais bon, voilà, faut pas trop en vouloir de toute façon. Heureusement qu'on a les virtuels pour se défouler, ça fait du bien. Un peu de barrière. J'ai vu tout à l'heure un wagon de métro, on va peut-être pouvoir le choper. Oh là là, là je me suis fait du mal un petit peu. J'ai coupé les genoux. C'est du skateboard, voilà, sur le portillon carrément. Où est la rame? J'ai vu passer une rame. Peut-être l'attendre pour passer au-dessus et faire un truc super acrobatique. Pour ça, oh, peut-être pas rester au milieu de la voie. Ah, si, allez, on y va. Soyons fous, voilà. Si vous avez un skateboard, ne faites jamais ça dans la vraie vie, c'est pas une super bonne idée. À mon avis, nettoie ton short, ça veut dire quoi? Nettoie ton short. Ça doit être une traduction de Hit My Short ou une insulte en anglais chère à Bart Simpson et qui a dû être un petit peu mal traduite. Voilà. Ou alors je me suis fait écraser et mon short était ensanglanté et on l'a pas vu, je sais pas. Bon, alors c'est combien de points tout ça? Eh ben pas mal, 11 000 sur 10 000, donc j'ai fait plus que ce qu'on me demandait, donc normalement c'est bon, j'ai dû ouvrir top respect, j'ai dû ouvrir le niveau supérieur. Voilà, niveau 3, Burnside débloqué, ben on va y aller, ouais super. Et j'ai choisi un autre, ah ouais j'avais oublié de le faire, Fakie Rock'n'Roll, voilà je vais prendre ça comme truc. Et puis on va essayer de le faire, c'était quoi? Bas plus triangle. Je vais essayer de vous faire voir, tiens d'ailleurs, les différents tricks qu'il y a, il y en a vraiment énormément. Vous avez toujours la liste des tricks à disposition. Ouais, on est déjà au troisième niveau dans Level 1. On va changer le nom de Level 1. Voilà, faites peur au pigeon, voilà, je vous l'avais dit. Vraiment des trucs rigolos. Donc c'est, je disais que c'est bien parce que c'est vraiment simple d'accès. Et en même temps, les figures sont assez complexes. Je vais sortir tout de suite la liste des tricks. Regardez, les trucs au sol. Alors, vous voyez, c'est quand même complexe. Il y a des trucs droite-gauche. C'est des vrais combos, on se croirait dans Street Fighter de temps en temps. C'est balèze et il y a vraiment plein de trucs à faire. Bon, allez, on va effrayer 2-3 pigeons. C'était quoi Matrix? Je sais pas. Le pigeon est effrayé parce que je suis mort devant lui en fait. Il va faire un arrêt cardiaque avec moi. Oh là là, on va pas finir comme ça, ce serait quand même assez triste. On est presque arrivé à la fin. Alors oui, ce niveau-là, il est un peu moins intéressant, je trouve, un peu moins rigolo. C'est vraiment un vrai skatepark. Mais en tout cas, il y a de quoi faire, il y a plein de niveaux et c'est assez varié. Donc vraiment, je recommande Grind Session pour les débutants comme moi. On va attendre Tony Hawk pour voir ce que ça donne et pour voir si Tony Hawk Skateboarder 2 est mieux. Mais en attendant, vraiment, c'est un bon petit truc, Grind Session. Voilà, donc on vous le conseille. Allez, soyez sages, je vais continuer à me péter les genoux, moi. À bientôt, ciao.